Bonjour à tous, c'est GG. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo sur GG Vidéo. Puisque un jour, tous les jours, pas dans des conditions incroyables. Je ne sais pas ce que va donner le son, mais il y a énormément de bruit. Sinon, je ferai le test à la... Si le test est dégueulasse, je reviendrai, je referai avec un micro-cravate. Et on verra ce qu'on fait. Moi, c'est numéro 29, donc j'ai encore un peu le temps. Voilà. Je prends mon petit thé à 80 évidemment. Allez. Aujourd'hui, on va parler d'eux, on va plutôt parler d'une vidéo, parce qu'en fait, j'ai pas mal de personnes qui me demandent quels écouteurs j'utilise en mode daily. Et en fait, en mode daily, j'utilise toujours cela. C'est mes Huawei FreeLace Pro. Pour plusieurs choses. Un, ils sont très faciles à charger. Tu vois, tu verras là, hop là, t'as la prise USB type C. C'est-à-dire que tu peux le recharger n'importe où, même sur un laptop, sur une batterie externe. C'est plutôt pratique. Deux, ils se mettent autour du cou. Ils se mettent autour du cou. Et ce qui fait que bah, ça évite de les perdre. Parce que ça, c'est un peu mon truc spécialisé. C'est tendance à tomber. Trois, ils sont aimantés. Comme ça. Donc ça fait que tu n'as pas de couillettes qui pendent autour du cou. Mais tu as quand même la possibilité de. On dirait bien. Ah, on m'appelle en plus. Non, ça va pas le faire. Laissez-moi tranquille. qu'est-ce que je voulais dire. Voilà. Ça. Ensuite, autre chose. Ils ont un son qui sont plutôt bons, avec une bonne dynamique, un bon petit son et tout, ça j'aime beaucoup. Autre chose, il y a le mode aware, c'est-à-dire qu'on peut mettre le son où on peut entendre ce qui se passe autour. Des fois, je suis un peu dans le market et tout, j'ai quand même le son ambiant et j'écoute un peu de musique, c'est pas mal. Deux, on peut soit couper rien, c'est-à-dire qu'on a un écouteur normal. Trois, on peut mettre l'ANC, réduction de bruit, c'est-à-dire ça quand tu prends l'avion, tu mets déjà, ça calme pas mal le bruit. Ensuite, tu mets réduction de bruit, ça annule le son extérieur pour avoir un son. Donc on a un produit qui est plutôt quali, qui est pas cher, qui a une très très bonne autonomie, qui est super compact. En fait c'est presque un... J'en ai les petites couillettes comme ça, mais dès qu'il y a un peu de bruit en extérieur, on entend mal. Ou alors ben, on entend bien à l'extérieur, mais on entend mal la musique. Ou quand on est en avion, on n'a pas de réduction de bruit. Donc c'est pour ça que c'est presque mes écouteurs ben, préférés que j'utilise en mode quotidien, puisqu'ils sont vraiment les écouteurs qui sont le plus polyvalents pour un usage. Je prends ça, je suis jamais déçu. J'ai du bon son, j'ai la réduction de bruit, j'ai un mode aware. Ils sont facilement rechargeables, ils sont facilement transportables. Voilà, ça sera un peu mon coup de cœur. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces FreeLace Pro, si vous les avez déjà, bien évidemment, et si vous allez peut-être directement les acheter. Je mettrai bien évidemment un lien dans la description. Moi, je vais prendre mon petit thé. Hein, non, c'est des citrons. Je ne m'en rappelle plus. Vous saurez peut-être dans la prochaine vidéo. Je vous